ça te brûle. C'est pas que ça brûle, c'est que c'est grave dérangeant en fait. T'as des morceaux de fibres qui te tombent dans l'œil. Ah mon dieu que c'est dérangeant. Ah mais sans déconner, faut arrêter les challenges à la con. On va perdre un œil, un de ces quatre avec ces conneries. Hein. Moi je peux pas faire mieux. Éclairage, j'espère que vous allez bien, comme vous l'avez dans le titre aujourd'hui. Ah, ça se trouve, je vais perdre mes cils. On n'est pas à l'abri qu'il se passe un truc. Voilà, ça me fait très peur. Donc, on va imiter un petit peu les youtubeuses beauté. Ça m'a fait marrer, en fait. Il y a une vidéo que je vois partout sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo que je vois sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube notamment. C'est vraiment terrifiant. C'est une vidéo, sans plus tarder, mon petit Michel, où, en fait, il y a des personnes qui appliquent du mascara. Mais à tel point... Enfin, le mascara en question, en fait, est censé te faire des cils... fuckingment long, mais ça devient terrifiant, c'est horrible, c'est hyper flippant, y a rien de beau là-dedans, c'est le truc, t'as l'impression d'être un mélange entre The Ring, The Grudge avec une poupée quoi, mais c'est terrifiant, et du coup on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça va donner, alors je me transforme pour cette vidéo en youtubeuse beauté, alors attention je me moque absolument pas des youtubeuses beauté, petit disclaimer juste avant, j'en regarde moi-même, je regarde des youtubeurs beauté, des youtubeuses beauté, voilà, c'est juste qu'aujourd'hui on va tester ça parce que moi j'ai envie de savoir un petit peu, alors je fais partie des gens qui ont acheté ce produit, donc si mes cils se font littéralement cramer à la fin de cette vidéo, et bah voilà, au moins bah, tout le monde le saura. Non, plus sérieusement, j'ai été me renseigner avant quand même, parce que je veux pas appliquer un truc qui va littéralement me brûler la gueule. Donc apparemment en fait, dans ces vidéos, ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'elles sont en mode « ouais, mes cils ils s'allongent ». Pas du tout. Les cils ne s'allongent absolument pas. En fait, en gros, c'est juste qu'il y a un mascara en fibre, ce que j'ai cru comprendre, et un mascara classique. Et du coup, tu dois appliquer la fibre, je crois, ensuite ton mascara classique, puis la fibre. En fait, tu déposes de la fibre au fur et à mesure, tu vas avoir des trucs hyper longs. Alors, ah, ça s'ouvre comme ça, attention. Ok. Donc alors, attention, hein, ne vous dites pas, ouais, ça, elle a payé une blinde le bordel. Hein, c'est, enfin, leur produit miraculeux, ça coûte 14 balles sur Amazon. Hein, si vous voulez, je vous le mets dans la description. Mais voilà, c'est pas, j'allais pas payer un truc, une blinde, qui allait me défoncer la gueule. Surtout que, voilà, c'est pas ma catégorie. Je me suis dit, je vais me transformer pour cette vidéo en youtubeuse beauté, on va tester. Bon, bah voilà. Hein, alors, moi, je suis pas du tout présentatrice hein, de produits beauté. Donc voilà, le petit mascara. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors... extension, on va regarder, ensuite, extension, comme ça il y en a deux, non, et là il y a un autre truc dans le bousin, alors, oula, oula là là là, alors attendez, on a un premier objet là, qu'est-ce que c'est que ça, un râteau, oula, ça commence à m'inquiéter, ah si, c'est pour séparer les cils. C'est un truc qui sépare les cils, genre tu mets et ça... Oh là là, je me sens très mal. L'accident! Oh là là. Et il y a un autre truc par contre qui me terrifie dedans. Alors là par contre, ce truc là, je l'utiliserai pas parce que... je comprends pas pourquoi ils ont foutu ça. Alors sûrement si t'as envie de te suicider après la vidéo, c'est une lame. Mon gars. Ah ouais, c'est une vraie lame. Hein. Alors est-ce que c'est pas... alors ça m'étonnerait que ça soit pour les cils. Est-ce que c'est pas pour les sourcils, vous savez, pour enlever un peu les poils? Je le ferai pas là. Ou c'est tout simplement pour se tuer après la vidéo, hein. Ça aussi, ça c'est possible. Hein. Donc on va commencer sans plus tarder, on va mettre une vidéo. On va essayer de faire un peu comme, bah, comme elles font, hein, j'ai envie de vous dire. Alors je vais mettre ça. Alors attendez. Ah! Non, ça va, mais par contre... je sais pas si vous voyez, mais t'as l'impression que t'as buté un nounours. En gros, c'est rempli de, bah, de fibres. En fait, c'est rempli de fibres le truc là. Donc ok, donc ça c'est le petit avec la fibre. Et ça c'est quoi? Ah ça c'est le classique, alors attendez, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle prend le classique, attendez faut faire comme elle. Oh là là, oh là, il va y avoir un accident. Je vous le dis direct, ah là je commence à en foutre sur le maquillage, ah bah bravo. On fait les deux côtés hein Michel. Quitte à avoir l'air con, ce soir il y a un stream sur Resident Evil. Alors pour vous ça sera passé. Le stream il aurait été, il était hier hein, le stream. Mais ce soir on se retrouve en stream pour un nouveau jeu. Je le sens très mal. Je le sens très mal. Voilà, ce soir sur Resident Evil, au moins je serai dans la thématique, mais ça va être terrifiant. Bon, c'est parti. On teste. Ah, mais c'est bizarre, ça fait de la pluche. C'est trop bizarre, je suis censée me foutre ça dans l'œil, là. Enfin, dans l'œil. Qu'est-ce que c'est que leur truc? Oh, ben moi, je suis... oh, ben voilà, c'est tombé. Ben, je suis pas professionnelle, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle prend une pince?
Et ça le fait. Il est hors de question que je fasse comme elle, hein. Pourquoi elle prend la pince? Ah, elle colle les cils. Ah non, mais moi, je veux pas les coller. Moi, je vais tester direct d'appliquer comme ça, hein, je vous le dis. Mais il faut que je m'approche à mort de vous, hein. Salut, vous allez bien? Il faut que je m'approche à mort de vous, hein. Bon, bah, essayez sur ce cil-là, mais bon, moi, je vous le dis, c'est la merde, hein. Ah! Il se passe un truc. Oh, il se passe un truc, attendez. Là, il faut recoller. Je crois qu'il faut recoller. Attendez, je recolle, je colle. C'est plus long. Effectivement, c'est plus long. Bon, si ça ressemble à un truc d'araignée, ça commence. Vous voyez? Si, je crois que vous commencez à voir comme ça devient moche. J'essaie de faire tout. Oh, mais ça va... Je sais pas si ça va marcher, hein. Je teste, hein. Je teste. Ah, je vous mets des musiques de youtubeuse beauté par la même occasion. Ah bah tenez, oui. C'est vrai ça, je sais pas ce que j'avais mis comme musique. Bah qui met des musiques de youtubeuse beauté, hein. Comme ça. Ah bah quitte à se transformer, autant le faire, hein. Ouais, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si c'est pas un peu mensonger leur truc, hein. Les meufs, si en fait elles utilisent une technique avec une pince, si en gros pour te faire ça il te faut des pinces épilées et des trucs et des machins, c'est bon. Hein. Tu sens rien de me faire des paquets, des machins. Ouais, il va être beau le stream de ce soir, je vous le dis. Ah, il va être beau. Ah, vous allez pas le voir. Bah, vous pouvez toujours regarder la diffusion, hein. D'où l'importance de me suivre, Michel. Il peut se passer des choses, des fois en stream. Il y a une différence entre les deux, effectivement. On voit que. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je sais pas si vous allez voir correctement. On voit bien qu'entre les deux, il y a un côté qui est hyper. Beaucoup plus long que l'autre. Mais. Attendez. Enfin, je vais vous. Je vais prendre la webcam, je vais la foutre sur ma tronche. Vous allez voir. Je vais vous montrer après les deux côtés. Si ça se voit, si on voit. Ah, oh, j'ai de la fibre dans l'œil. Ah, je brûle, maman. Ah, oh, j'ai de la fibre dans l'œil. Ah oh, ça brûle la gueule. Ah, j'ai de la fibre dans l'œil. Ah, mais faut qu'ils arrêtent leur truc, c'est dangereux en plus, là. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous faire un zoom. Mais déjà, je pense que ça se voit. Si là, je vous regarde, je pense que vous voyez qu'il y a une différence. Mais alors, je n'arrive pas à aller jusque-là comme elles ont fait. Hein. Alors déjà, j'arrive pas à avoir... Enfin, de base, je peux vous dire que le bousin marche parce que je n'arrive pas à avoir une longueur pareille, genre naturellement. Mais du coup, voilà. T'as de la fibre en contrepartie dans la gueule, dans les... Attendez, je vais vous... Vous allez voir, c'est épique. Ah bah, je vous rapproche. Ah bah, vous allez voir. Attendez, vous voulez voir le set. Alors, attendez. Regardez le truc. Alors, on peut avoir un super champ de vision comme ça. Non, mais quand on regarde le truc... Oh, la gueule que ça fait. Donc, voilà, ça te met des pluches sur toute la gueule. Et voilà, au niveau des yeux, bah... Voilà, ça te fait un truc un peu... Bon, plus dense si que là. Mais voilà, sinon, c'est pas très joli, quoi. Ça te fait des pattes d'araignée... C'est pas ouf. Voilà, ça fait des pattes d'araignée, des trucs comme ça. Juste ici. Je regarde le retour là, hein, pour voir. Donc voilà, c'est pas par rapport à l'autre côté, voilà. C'est trop violent. Ouais, j'aurais peut-être dû vous mettre ici, hein. Ça aurait été moins violent pour le coup pour vous d'avoir ma gueule en très proche. Mais bon, moi je fais partie des gens qui ne se prennent pas au sérieux, j'en ai rien à faire. Voilà, donc je fais partie des gens qui se prennent pas du tout au sérieux, donc je m'en fiche un petit peu pour le coup. Je vais essayer de nettoyer ça. Oh, il faudrait que je prenne un pinceau. Bah alors attendez, vous savez quoi? Je prends un pinceau, j'enlève le bordel. Et après je vous fais un, je sais pas comment elles appellent ça là. À la fin quand elles ont fini de présenter le produit, elles font des petites pauses et tout pour montrer le résultat final. Donc on se retrouve tout de suite. Pas facile d'être une youtubeuse beauté, je te le dis mon petit Michel. Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter là les amis pour cette vidéo, j'espère entendre que ça vous aura plu. Franchement, alors déjà vraiment un disclaimer quoi, les petites vidéos là que j'ai fait, les petites séquences sont même pas, enfin non pas pour but de se moquer des youtubeuses beauté ou quoi que ce soit, puisque je trouve leur travail vraiment super. C'est juste que moi bah je sais pas faire, donc je le fais à ma manière quoi. Mais voilà, donc franchement le bordel, alors je sais pas quoi en penser. En fait, déjà, ça te brûle. En fait, t'as plein de morceaux de fibres qui te tombent, là, en boucle dans les yeux. Ah, mince, la petite mèche, là. La petite mèche rebelle. T'as plein de morceaux de fibres, déjà, qui te tombent dans les yeux. C'est hyper désagréable. Donc, je pense que là, je vais partir me démaquiller direct parce que c'est grave dérangeant.
Et puis même, ce produit-là, tu les vois toutes là, en train d'avoir des cils jusque-là. Moi, je pense avoir compris la technique. Je pense qu'en fait, effectivement, tu dois prendre la pince à épiler, pincer tant de cils pour avoir quand même une certaine matière, placer la fibre, tu la places en fait, ensuite tu places de la fibre, ainsi de suite. Je pense que c'est le seul moyen pour avoir cette technique, enfin pour avoir des cils pareils, parce que là, on en est à 45 minutes de vidéo. 45 minutes, j'ai bien dû me tartiner avec le bordel pendant bien au moins, je dirais, une trentaine de minutes. Donc voilà, après je vais pas continuer à insister. Mais voilà, j'aurais testé au moins les produits, le produit un peu étrange qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu et si vous aimeriez par la suite que j'en refasse. C'est-à-dire, je sais pas moi, des produits insolites de youtubeuses beauté ou de... Voilà, des produits insolites tout simplement de beauté à tester. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo de faire un truc genre, je sais pas, Kiki Makeup ou une connerie comme ça. Et puis, genre, une fois par mois, bah, je vous présente un produit. Alors, what the fuck, quoi, je sais même pas le bordel si je vais continuer. Si je pense que je vais l'utiliser mais en basique quoi, mais l'huile machin je pense qu'il va aller à la poubelle parce qu'avoir des morceaux de poils d'ours ou de ça sent que dalle hein, mes dragons d'un là sur les cils, c'est très dérangeant. Donc voilà les amis, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner si ça a été le cas, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, notamment mon petit Michel, abonne-toi aux réseaux sociaux, c'est très important. J'ai aussi très envie d'éternuer à force d'avoir de la fibre partout sur le bureau et de m'en foutre plein les... voilà, ça allait un petit peu dans les naseaux pour le coup, c'est très dérangeant. Donc on va s'arrêter là sans plus tarder, je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir peut-être une partie 2 et à me proposer des produits insolites de make-up, pourquoi pas. Je vous fais à tous de très très gros bisous pour la 10e fois, ça devient trop long, ça va être tout trop. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.